Bonjour et merci de votre fidélité à la RDB, à la une de ce journal. Un nouveau projet pour gérer les déchets ménagers de la ville de Ouagadougou. Sa particularité, contribuer à l'économie verte en stimulant la production des entreprises. Son mode opératoire, le tri sélectif des déchets pour réduire les coûts liés à leur traitement. Comment la mairie de Ouagadougou compte réussir la phase pilote? On en parle dans ce journal. Et dans le journal également, fausse alerte sur une information concernant des déplacés internes à Nako dans le Pony, ce qui devrait être une migration de personnes désespérées vers une destination plus heureuse, s'est révélé être un déplacement d'orpailleurs vers de nouveaux sites. Explication à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, Brexit is done, le Royaume-Uni entre joie et tristesse, ce 31 janvier 2020 à minuit, le Royaume-Uni est sorti officiellement de l'Union européenne. Pour les partisans de cette sortie, c'est une nouvelle ère, mais des questions subsistent et alimentent des inquiétudes. Ce sont là les titres du Trésor. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Ce vendredi 31 janvier 2020, la mairie de Ouagadougou vient de lancer un nouveau projet pour la gestion des déchets ménagers de la ville. Un projet de tri sélectif qui doit permettre, selon les porteurs du projet, de réduire les quantités de déchets et les coûts liés à leur traitement. Tout cela améliorant le cadre de vie des populations. Mais la phase pilote concerne 4 arrondissements de la ville. Oumou Cissé. Plus question pour Mme Ouédraogo de jeter ses déchets ménagers dans un seul bac à ordures. Elle vient de recevoir 3 poubelles. Un don qui entre dans le cadre du lancement du projet Moins de déchets, plus d'opportunités, l'économie verte au service des micro, petites et moyennes entreprises de la ville de Ouagadougou. Tout ce qui est déchets plastiques, y compris les bidons vides, voilà, cette poubelle, c'est pour recevoir tout ce qui est restes alimentaires. Et la dernière, c'est pour recevoir tout ce qui est déchets organiques fermentescibles. Quand on les trie, les sachets à part, les déchets organiques à part, le papier à part, après, nous pouvons faire facilement le recyclage. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que le poids de ces déchets diminue au transport. Donc, ce qui nous permet de réduire également le coût du transport, qui est l'un des facteurs le plus pesant dans le budget de la ville pour le traitement des déchets. Avec une population estimée à 3 millions d'habitants, la ville de Ouagadougou à elle seule génère 600 000 tonnes de déchets par an. Et ce projet de tri de déchets est l'occasion de donner une seconde vie aux ordures. Nous allons créer des opportunités d'emploi, nous allons créer des opportunités de créer des composts encore meilleurs pour nos cultures domestiques aussi, nos cultures céréalières et aussi les cultures sylvicoles. Le projet de tri de déchets est mis en œuvre par la mairie de Ouagadougou et la fondation Accra avec l'appui de l'Union européenne. À cette cérémonie, le maire de la ville de Ouagadougou a procédé au lancement du concours du meilleur arrondissement en matière de salubrité. De son côté, le Rotary Club lance ce matin du 1er février 2020 un forum des métiers en direction des élèves de la ville de Ouagadougou. Ce forum entend contribuer à la formation de la jeunesse burkinabé dans le but de participer au développement du pays. Des précisions avec Aimé Solange Guigma. 19e du genre, ce forum des métiers vise à fournir à la jeunesse des outils nécessaires pour un meilleur choix de leur futur métier. Par cette activité, Rotary Club International de Ouagadougou entend préparer la relève. Au cours de ce forum, ils auront devant eux des experts de différentes professions qui vont leur présenter leur profession et des experts qui vont répondre aux questions relatives à chacune de leurs professions pour pouvoir les orienter. Ils auront également la structure chargée d'orienter les jeunes après le bac, le CSPB, qui est là et qui pourra également les entretenir et les aider à faire un choix après le bac. C'est une activité très très louable pour nos élèves
et nos étudiants. Et ça permettra à nos élèves de pouvoir connaître d'abord le métier de leur rêve et de faire le choix du métier de leur rêve. Cet élan de solidarité envers les élèves s'inscrit dans le cadre du programme d'activité 2019-2020 de Rotary Club International, dont la mission est entre autres de former et d'encadrer les jeunes pour leur permettre d'être des hommes de demain à même de booster le développement de leur pays. Le MPP, le parti au pouvoir, a un nouveau siège à Bobo-Dioulasso. Son inauguration est intervenue ce 26 janvier 2020, situé au secteur 5 de la ville de Bobo. Ce nouveau local doit aider, de l'avis des premiers responsables du parti au pouvoir, au bon fonctionnement du parti, mais aussi à la mobilisation des militants. Le film de la cérémonie d'inauguration avec Moumouni Baro sur place à Bobo-Dioulasso. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP, section OE, se dote d'un nouveau siège au secteur 5 de Bobo-Dioulasso après une période passée dans les résidences en location. Pour le président intérimaire du MPP, le parti vient de réaliser un vieux rêve, celui d'acquérir son propre local. Désormais, ce bâtiment va servir donc de lieu de convergence et de repère des militants pour mieux préparer les échéances électorales à venir. Quand vous êtes majeur et que vous avez fini par pouvoir avoir votre choix, il n'y a rien de tel. On se sent pleinement réalisé et c'est notre cas. Et nous sommes sûrs que dans cette maison, nous allons bâtir encore une autre victoire pour notre parti. Une joie pour les militants du parti du Soleil Levant qui voient en ce nouveau siège un endroit idéal de travail et d'échange. Et la cour, la maison fait en tout cas environ 750 m². Et donc nous sommes bien logés et l'accès est facile. Et en tout cas ça interpelle les militants à davantage d'engagement, davantage de discipline et davantage de confiance au parti pour les victoires à venir. Et nous sommes les privilégiés de bénéficier d'un siège. Et ainsi fait, donc cela aussi nous incombe de nous assurer de son animation. Le président intérimaire du parti, Simon Compaoré, souhaite que ce joyau soit donc un lieu de fréquentation des militants pour cultiver la discipline, le savoir-vivre ensemble. Je le disais en titre, à Nako, dans le Pony, la rumeur qui faisait état d'un déplacement massif de déplacés internes fuyant des zones dangereuses s'est révélée être une fausse alerte. Ce n'était que des orpailleurs décidés à jeter leur dévolu sur de nouveaux sites situés non loin de la frontière avec le Ghana. Constat avec Lambert Soma sur place à Gawa. Quels que soient les moyens utilisés, ces populations ont décidé de rejoindre Nako coûte que coûte. Cette commune frontalière du Ghana n'a jamais connu pareille situation. Ce mouvement de population dure depuis près de 2 semaines et il est difficile d'avancer un chiffre quant à leur nombre. Si au début, certains parlaient de réfugiés internes, pour la commune, il s'agirait plutôt d'orpailleurs. Nous assistons à une arrivée massive donc, des personnes qui disent qu'ils viennent pour l'orpaillage. Tous ceux qui viennent vont donc sur le site d'orpaillage de Antôme et Piscine. J'avoue que c'est un déplacement massif. C'est la première fois que nous assistons à cela à Nako ici. D'autres viennent avec des dinas, 2, 3, 4 dinas par jour. D'autres viennent avec des tricycles. D'autres même viennent à pied. Les Tchankoura, 28 km à Nako, sans pour continuer jusqu'à 15 km. Donc 43 km en gros à pied. Leur destination, la voilà, les sites d'orpaillage de Piscine et de Antôme. Pour y accéder, il faut passer cette barrière de fortune tout en payant son ticket. Effectivement, bon, ce qui concerne la rentrée, et on a trouvé que le monde est venu et nombré. Il fallait vraiment, en tout cas, placer un dispositif de sécurité pour contrôler. On a une équipe qui est là, en tout cas, qui surveille, qui contrôle. S'il y a un problème, ils nous rendent compte et nous aussi on transmet. Pour l'un des responsables des lieux, cette arrivée massive des populations s'explique. Vrai dire, on a commencé, ça fait la deuxième année. Mais il n'y avait pas de monde. C'est nous qui débrouillons un peu. Dans ces semaines-là, il y a un trou qu'ils ont gagné un peu. Mais les chambres, ce n'est pas trop. Ça ne dépasse pas 4 millions et quelques. C'est à cause de
les appels là qui a mené tout le monde ici. Il y a des Ghanéens, il y a des Burkinabés, il y a tout. Ce mouvement de population de la commune de Nako inquiète à plus d'un titre. Vu la situation sécuritaire actuelle du Burkina Faso, lorsque vous avez un grand nombre comme ça de personnes, vous n'avez pas les moyens de détecter qui est vrai européen et qui ne l'est pas, parce que c'est toute question qu'on se pose aujourd'hui. Nous sommes en droit de nous inquiéter. Et la population aussi, que ce soit la population résidente, comme celle aussi qui est hors de la commune de Nako, nous interpelle sur la question. Même s'ils ne disposent pas de tous les documents nécessaires, les responsables du site s'en remettent à l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées, ANEMAS. Le point de travail est déjà là. De voir les propriétaires terrain, ils vont nous montrer un coin pour faire un yard. Ça, c'est déjà OK. Demain, s'il vient, j'espère qu'on va amener tout le monde là-bas. Avec point d'habitation, point de restaurant, tout. Voilà. C'est nous-mêmes qui avons demandé de venir nous aider. Puis dans le monde, c'est trop nous-mêmes, on ne peut pas. En début de semaine, une délégation conduite par le haut-commissaire de la province du Pony s'est rendue sur les lieux sur instruction des plus hautes autorités. Objectif, s'enquérir de la situation. Fin de colloque sur la mission dite Ad Gentes de l'Église catholique d'Afrique francophone. Un colloque de 3 jours pour réfléchir sur les contours de la mission d'évangélisation en Afrique aujourd'hui. Comment annoncer aujourd'hui la foi en Afrique? Quel témoignage pour davantage ancrer cette foi? Ce sont des questions auxquelles le colloque a tenté de répondre. Des détails avec Caroline Noiré. Moment précieux et stimulant des qualificatifs attribués au colloque par ses animateurs. En 5 jours de réflexion, de partage d'expériences à travers une série de conférences, l'Église catholique aura réussi à mobiliser autour de la nécessité de porter une attention particulière au fondement de cette institution dont la mission est de porter la bonne nouvelle à tous. Depuis le mandat missionnaire laissé par Jésus au sien, Jérusalem, non? À l'ascension, c'est toujours d'actualité. Après 2 siècles, il semble qu'à peine 1/3 de l'humanité connaît Jésus, catholiques et protestants confondus. En Afrique, selon certaines statistiques disponibles, on parle de 17-19% qui connaissent Jésus. Comme je dis souvent à Moré, du travail c'est fait, mais du travail reste encore à faire. Pour ce faire, des recommandations sont faites à l'attention du clergé. On y note la création d'un laboratoire de recherche disciplinaire, l'élaboration d'un outil de présentation de tous les messages de paix du pape ou encore l'exhortation à repenser le système éducatif dans le sens de dépasser le cadre de la compétition sur les disciplines pour viser la compétition sur le vivre ensemble. C'est un satisfecit qui se dégage des travaux de réflexion et comme pour invoquer l'Esprit Saint sur la mise en œuvre des résultats du colloque, une messe sera dite en soirée à l'église Saint-Camille de Ouagadougou. Et puis dans ce journal, un grand format sur le brassage culturel au Burkina Faso, un brassage qui tient lieu de complémentarité, mais aussi qui peut aider aujourd'hui à la cohésion sociale. Un exemple, des griots goulmatiers officiant dans un palais peul, l'émir de Dori et ses griots séduisent à chacun de leur passage. Tanga Robert Kafando. C'est une sonorité pleine de paroles pour ceux qui savent la décrypter. Un son, des instruments et des musiciens qui traversent les frontières administratives et les barrières linguistiques au Burkina. Ces musiciens sont des goumatchés, mais qui jouent un grand rôle chez l'émir de l'Iptako à Dori. Nous les avons rencontrés ici à Tenkotgo. C'était le 17 janvier dernier, lors d'une réunion de la Haute Alliance des leaders coutumiers à laquelle l'émir a participé. Mais eux, ces griots, sont venus 2 jours plus tôt. Ils sont dans l'un de leurs rôles, devancer le chef, prospecter le terrain et l'annoncer dès son arrivée. Ce rôle, il le joue depuis la nuit des temps. C'est d'ailleurs la tradition chez eux. Et le lien entre ces griots, Goumatché et l'émir Peul est ancestral.
Tout a commencé par l'amitié entre un de nos oncles et un des oncles de l'émir. Et depuis, nos pères ont perpétué cette amitié, cette tradition. Au palais de l'émir, nous sommes toujours là pour annoncer sa sortie et son arrivée. Et s'il a des invités, nous venons l'honorer. C'est ainsi la tradition. Mais depuis, avant même les indépendances et la colonisation, nous avions des ambassadeurs Moussi chez nous. Nous avions des ambassadeurs de la communauté Bobo chez nous. Nous avions des ambassadeurs de la communauté Gourmanché chez nous. Ce sont des choses qu'on a trouvées. Donc, ça veut dire qu'il y avait la cohésion et l'inclusion de toutes les ethnies chez nous. Et bon, peut-être que c'est ce comportement, cette possibilité d'inclusion, c'est ce brassage d'ethnie que nous avons perdu. Et c'est pour ça que nous sommes confrontés aux problèmes que nous avons actuellement. Nous demandons à tout le monde, à toute la population, pas de revenir, mais de prendre en considération ce que nous avons en commun, c'est-à-dire la culture. C'est-à-dire, et cette culture ne se gagne que par l'éducation. Je ne dis pas par instruction. L'éducation, c'est ce qu'on apprend à la base, en famille, avec la communauté. L'instruction, c'est ce qu'on apprend à l'école. Ici, au palais de Nabagirimpolé, où les chefs traditionnels s'entretiennent avec les dîmes, ils ne se sont pas fait prier pour animer la séance avec les griots de la cour. Une animation qui leur a valu des présents de la part du roi du Tenkodou, comme pour dire qu'au Burkina, les traditions se marient toujours et la culture n'a pas de frontières. À l'étranger, 3 ans et demi après la victoire du Brexit, le Royaume-Uni a quitté officiellement l'Union ce 31 janvier 2020. C'est une nouvelle ère, mais des questions subsistent et alimentent des inquiétudes. Regardez. 5, 4, 3, 2, 1. Minuit à Londres, les cloches de Big Ben sonnent officiellement la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. 3 ans et demi après le référendum, des milliers de partisans du Brexit laissent éclater leur joie devant le Parlement britannique. Nigel Farage est aux anges. La façade du 10 Downing Street se pare des couleurs de l'Union Jack. Pour le Premier ministre Boris Johnson, ce jour marque le début d'une nouvelle ère pour le Royaume-Uni. C'est le moment où l'aube se lève et le rideau s'ouvre sur un nouvel acte de notre grand drame national, dit-il. Nous devons utiliser ces nouveaux pouvoirs, cette souveraineté retrouvée pour apporter les changements pour lesquels les gens ont voté. Le royaume qui est loin d'être uni derrière le Brexit. À Édimbourg, en Écosse, les opposants à la sortie ont organisé, drapeau européen en main, une veillée aux chandelles. L'Écosse veut profiter du Brexit pour organiser un nouveau référendum d'indépendance. En 2016, les Écossais s'étaient majoritairement prononcés pour le maintien dans l'Union européenne, tout comme l'Irlande du Nord, où la question de la frontière avec la République d'Irlande alimente toujours les inquiétudes, en particulier chez les communautés vivant aux abords de la zone frontalière. Brexit is done, le Parlement de Westminster peut s'éteindre, un nouveau chapitre s'ouvre pour le Royaume-Uni. Et pour refermer ce journal, aux États-Unis, Donald Trump devrait être acquitté ce mercredi à son procès en destitution, ce qui devrait conclure un procès très politique en pleine année électorale. Regardez. C'est un Donald Trump serein qui s'est envolé vers sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Le procès en destitution du président américain touche à sa fin. La majorité du Sénat, dominée par les Républicains, s'est prononcée vendredi contre de nouvelles auditions de témoins, ouvrant ainsi la voie à un vote mercredi. Et tout porte à croire que le locataire de la Maison-Blanche sera acquitté des chefs d'accusation d'abus de pouvoir et d'entrave au Congrès. Les démocrates qui avaient lancé la procédure de destitution contre Donald Trump dénoncent un simulacre de procès.
C'est une grande tragédie, l'une des plus grandes que le Sénat ait connue. Les Américains se souviendront de ce jour où le Sénat s'est détourné de la vérité. Donald Trump devra attendre son discours sur l'état de l'Union mardi au Congrès pour être acquitté par le Sénat. La question désormais est de savoir quel sera l'impact de ce procès en destitution sur les élections américaines dans 300 jours. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.